qui restera dans vos mémoires. Voici l'histoire d'une enfant dont le rêve était grand. Elle rêvait de voyager là où vous n'avez pas idée. Elle fabriqua un bateau et malgré sa peur de l'eau, il ne lui fallut pas bien longtemps pour se laisser guider par le vent. Elle navigua sans savoir où aller pour que ses rêves deviennent réalité. Elle rencontra une petite mouette, une amie sacrément chouette, et un poisson lèvre de chou qu'elles appelaient poisson bisou. Ensemble ils prirent la mer jusqu'au-delà des frontières, naviguant sur l'océan, se racontant leurs rêves d'enfant. Il ne leur fallut pas bien longtemps pour se laisser guider vers bon vent. Ils naviguèrent sans savoir où aller pour que leurs rêves deviennent réalité. La mouette parlait pas beaucoup, contrairement au poisson bisou, mais la nuit qui venait comme jamais, ils allumèrent une bougie. Quelle surprise privée! Et voilà nos quatre marins, quelle sacrée bande de copains. Il ne leur fallut pas bien longtemps pour se laisser guider vers bon vent. Ils naviguèrent sans savoir où aller pour que leurs rêves deviennent réalité. Lors de leur navigation, verrouillés à l'horizon, et la visite déjà, rien n'était plus beau que ça. Mais leur rêve n'était pas là, car mon vent n'existait pas. Il était temps de rentrer sans leur rêve réalisé. Il ne leur fallut pas bien longtemps pour se laisser guider par le vent. Ils naviguèrent en sachant où aller. Il était à présent temps de quitter. Les voilà arrivés. Qui aurait imaginé que la mouette avait nagé, que le poisson pouvait voler, que la bougie ne fondait pas. Je vous jure qu'il n'en revenait pas, qu'elle ne fut pas leur bonheur. Mon vent était dans leur cœur. Voici l'histoire d'une petite enfant qui cherchait un endroit inexistant. Il ne lui fallut pas bien longtemps pour comprendre qu'elle était